Veka basobanga Vital Kamerhe azobangisa. Okay, ko répondre na nini parce qu'on suppose que non et alors ko répondre exacti. Au soulever le comoko a bien lobby étant que justiciable Vital Kamerhe n'est pas justiciable devant le parquet général de Matete. Comment ça? Il a rang d'investissement au ministre. Et donc, il y a un peu de fondi, de talent de lobby. Vital Kamerhe, Azalaka, candidat président de la République à Moukan. Vital Kamerhe, Azalaka, ancien président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, a va fonctionner bien à Moukan. Adresse Naye, tu vas bosser à Moukan. Mais au préféré, aucun ne va déposer invitation dans le service à courrier à présidence. Parce que les gens qu'un magistrat peut convoquer, il faut voir son rang et il risque de dire des choses, il risque même d'influencer le tribunal. C'est la raison pour laquelle on a voulu que catégorie va tout songolo, pas comparer de place telle. C'est la loi qui le dit. Vital Kamerhe, son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Mais là n'est pas le coordonnateur des 100 jours. Ça, c'est l'information. Comment il avait une signature? Non, je vous dis. Il n'a pas géré ça, il vous l'a dit. Mais vous vous dites que non, voilà, voilà. Vous voulez comprendre tout ce que vous voulez là, ici, c'est le plan public, c'est la place publique. Nous avons beaucoup d'éléments, mais au moment opportun, nous allons les mettre sur le plan public, c'est la place publique. Parce que les gens ont besoin de réponses et de précisions. Nous ne sommes pas des celles qui ballottent ou qui font du théâtre lorsqu'ils sont devant la caméra. Nous allons dire la vérité, rien que la vérité. Et le moment venu, nous allons parler la vérité et nous, à chaque question, nous allons donner une réponse précise. Amener le débat ici sur les gens, mais c'est un débat trop technique et puis... Donc, c'est un président d'un parti politique qui est... Non, il est président intérim. Bon, j'ai eu la chance de lire les statuts de l'IDPS et ce que nous voyons est les statuts, ça s'accorde pas. Un parti politique, c'est une organisation des gens qui ont accepté de se mettre d'accord sur certains principes. Mais ce qu'il y a là, ce n'est pas ce que les statuts ont dit. Dans le cash, il y a un document qui est signé par des personnes. Vital Kamerhe comme président de l'Union pour la Nation Congolaise, INC, en cycle, et Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de l'IDPS. Alors, dans cet accord, il est écrit 5 à 5 ans. Après ça, il n'y a pas d'autres histoires, il n'y a pas Kabundi. Parce que lorsque le cash est né, Kabundi était encore ici en train de chercher comment s'inscrire à l'université. Bana Din, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Frank Semai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semai. Plusieurs actualités sur des questions à l'enjeu de l'heure, chers messieurs. En République démocratique du Congo, les politiques, les sociologues, les peuples congolais en général, tout est bousculé. Comme vous le savez aujourd'hui, plein d'actualités sur C. La grande actualité du jour est dominée par l'invitation au parquet de Matete, à l'endroit de l'honorable Vital Kamerhe Luakaningeni King, lui, directeur des cabinets des chefs de l'État sur C. Cette émission Politique Info sur Africa Info reçoit pour vous Maître Basile, qui est un des communicateurs de ces partis Union pour la Nation Congolaise. L'émission sera en Lingala, ne vous en faites pas. Pour tous à la moi, bien abino, Maître Basile, bien kaza pas avocat, ok, naïe, mais assis pour te biso plaidoirie, zana Lingala. Maître Basile, bonjour. Bonjour.
Bonne santé. Santé ça n'a pas mal. INC ça va? INC ça va. La mouki lelo depuis lobby INC agité, réunion convoquée d'urgence, ba cadre baillé, koluka ko sala déclaration, ya mangou ya trois pages. Pourquoi agitation au kaka après koyoka convocation ya Vital Kamerhe Luaka ningini président national à INC? Veka bazobanga Vital Kamerhe azobangisa. INC toza ko s'agiter te. INC c'est un parti organisé lorsqu'il y a des questions saillantes. INC est convoqué à la direction politique, soit le secrétariat général, pour éclairer l'opinion. Parce que tout le monde a dit que laisser les gens dans le flou, ça ne sera pas bon, comme c'était un week-end. On n'a pas voulu attendre jusqu'à lundi. Dans ce monde ici, nous sommes au 21e siècle, où c'est un siècle de vitesse. Donc, il a fallu agir pour faire une déclaration. Et c'est le cas de tous les 3-4 jours. À l'INC, nous avons battu Yamael et Bélé. Et puis, ils ont promis le lobby à 3 pages, mais c'était par rapport aux actualités et par rapport à Makambo. Oh, il fallait tout traiter. Yango, ils ont fait tout ça, la déclaration. Et puis, tout ça, la déclaration, la mise au lobby par rapport à l'actualité. Ça va, avant tout, on a une question de fond. Tous on en a nous, tout moni na Congo est comme moi fréquent à chaque fois qu'un leader politique aza poursuivi tout à babengé na justice ba tunaye a parti tout ba ta coin na yé faut battre les mains tout mona ki ka ba ti lukwebo tout mona ki ka Albert Yuma tout mona ki ka ba pa ba tu basé belé ba ni mo na semi ce qui babengé ka mutu mona justice il faut soit ba ta politique ya parti na yé soit ba ta coin na yé ba ressortissant na yé il faut ba déclarer kaka acharnement à la justice. Quand est-ce que vous croyez à la justice pendant que vous êtes encore parmi ceux qui croient à l'état des droits? Ce qu'on a communiqué à la lobby, au royaume qui était le bas qui l'INC pour l'état des droits. Au lobby, acharnement, oui, te condamner encore. Au lobby, que pour la ligne, ce qui va convoquer un leader, et puis, tu fais pas à l'ébélé. Oui, c'est normal, un leader doit drainer la foule derrière lui. Et ça, n'a pas été de chaque audience. On compare ça à monter ça la langue publique. Ce que tu as dit, c'est que l'audience est publique. Donc, il peut ça mettre où il va déterminer le nombre de temps pour que tu aies 4. Ou en par rapport à mon tour. L'INC, c'est ça qu'on s'agite. Quand tu as un exemple, tu as un soutien. Oh, mon nid, c'est la gaboe, bon, la gaboe, tu as un soutien de l'état des droits. Et puis, tu as un soutien qui est appliqué dans le monde. Mais droit n'est que le droit lorsqu'on respecte la procédure. La procédure, c'est la mère de tout, n'a qu'à y a droit. Si la procédure est biaisée, tout tombe. Lélo, si on continue la convocation à l'objet, tout en a pour ça, il y a Basile, Mpoyi. Si on continue la convocation, ce n'est pas moi. Moi, c'est Basile Mpoyo. Alors, na ko sabino ke sangate, c'est ça aussi le droit. Donc, na ko ne répondre n'est-ce qu'à mon soutien. Donc, ceux qui doivent respecter mi beko, na état de loi, c'est qu'on va respecter mi beko, pas respecter procédure. Ceux qui ça m'a be, beaucoup respecter mon den. Déjà, dans le cas d'espèce, tout en cas de procédure pénale, lelo, batutu bande rose, en attendant, tout mon VK na parke à ma tete. Mais, boye ko bimisa dossier mon koke. Na invitation on a ils allaient 6 mars. Est-ce vrai ou ça confirmé? Biso que il y a eu un problème au niveau de la dette. Au moins droit est à la casama monnaie. Et la mathématique était. Au la mugi na tongo le bossa likambo mais droit kaka droit ande kanga yo. Magistrat wa sale lokwana a sali magistrat mugete. Alors na quatre documents te relever ba irrégularité na Babylon comme quoi pas maya donc il va façon par l'erreur belle na carte document mouké invitation mais tous autres na score na note technique to na note ligne ça la ndenge donc na carte document et là quand il bosse na ntango to fondi to tali to lobby Vital Kamerhe azalaka candidat président de la République na mboka oyo. Vital Kamerhe azalaka ancien président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a sinon va fonctionner belle na mboka. Adresse naye batu babosa na ngote. Mais au préféré OK ne go déposer invitation na service ya courrier à présidence. Mais na procédure pesa la na ngo boko na lié à travail. Si toi tala na kati eloko wana. Boko zo na lié à travail.
tala na kata eloko wana parce que la présidence ezalaka wana eza mulai cabinet ya président o ezo traité ba dossier privé ya directeur de cabinet na cabinet eza en général pour traiter les dossiers nyonso etali république. Mais dossier en état de république, c'est une invitation pour une personne. Il a fallu descendre dans son cabinet privé. Oh, il y a quatre cabinets à président de la République. Oh, secrétaire à Zali, service à courrier. Mais comment il connaît bah, quand on a entré à service à courrier, il s'est battu à dossier. Irrégularité, monsieur Swangwan. Na Katiwana, na Kizeku, na Katiwana, ou ta document, bah, j'ai acquise des réceptions à la présidence, et ça, numéro à dossier, ça. De deux, na quatre documents, date. Il y a accusé et date, tu vois, non? Il y a accusé de réception, ils allaient les trois. Mais date, il y a recomparaître, ils allaient les 6 mars. Tout le lobby. Tout ça en mars et tout ça en avril. Alors, comment nous devons répondre en mars? C'est que tout c'est la mars 2021. Et puis, il faut avoir la source que mars 2021 est tombé un lundi. C'est ça aussi la procédure. Mais quand on suit la procédure, oh, besoin de répondre, t'es. Oh, vous êtes le Mibeko. Non, le Mibeko, c'est la procédure. Lorsque la procédure est respectée, token up. On suppose que nous avons sauté. On suppose que nous avons un problème. On suppose que nous avons une invitation. Parce que tous les angles politiques, tant que nous déjà dit que Esaïe, bien que procédure, on a une manœuvre dilatoire pour répondre. Mais étant justiciable, pourquoi ne pas seulement répondre pour être blanchi? Au soulevé, alors comment on a bien lobby étant que justiciable. Vital Kamerhe n'est pas justiciable devant le parquet général de Matete. Comment ça? Il a rang d'investissement ministre. Non, s'il vous plaît, maître Basile. Nakoye Badroit. Il est directeur des cabinets des chefs de l'État. Il a rang, mais il n'est pas bénéficiaire des privilèges de juridiction. Pourquoi besoin éviter à qu'il y ait une cour d'appel alors que Bolingbo me met la cour d'appel? Qui vous a dit qu'il n'est pas bénéficiaire des privilèges de juridiction? Parce que vous savez que non, il est directeur de cabinet d'un président de la République. C'est la loi qui le dit comme tel, qu'il en rend. Alors, vous savez le secret que lui, il détient pour la République? Et vous savez pourquoi pas de privilèges de juridiction? Il n'est pas animateur d'une institution. J'ai dit ceci. Un député est animateur d'une institution. Il est au Parlement. Pourquoi? Il est dans une institution. Vital Kamerhe aussi, il est dans une institution de la République, présence de la République, dont il est le directeur de cabinet. Vous savez pourquoi on avait voulu qu'il y ait des juridictions, qu'il y ait des privilèges des juridictions et des immunités? C'est parce que les gens qu'un magistrat peut convoquer, il faut voir son rang et il risque de dire des choses, il risque même d'influencer le tribunal. C'est la raison pour laquelle on a voulu que catégorie batu songolo va comparaître place telle. C'est la loi qui le dit. Vital Kamerhe, son juge naturel, c'est la cour de cassation. Et dans notre pays, chaque cour est rattachée avec un parquet. Pourquoi pas que le parquet au de Bengsei. Dès nous sommes allés loin. Nous avons 26 provinces. Dans chaque chef de la province, nous avons un parquet général. Excepté ville de Kinshasa. Ville de Kinshasa, il y a deux. Parquet général à Gombe. Parquet général à Matete. Pourquoi on avait enseigné ça? Là, je vois directement le professeur Lozolo qui nous a enseigné ces cours. Alors, Biboyo. À l'époque, le dossier était que Belen la ville à Kinshasa. Parce que général Moko est capable de faire quoi si ça va dossier wana. Yango Balinga qui va créer parquet monsieur général et ça la matete. Mais vite à la fin dans la matete, parmi juridiction oh matete zo géré, vite à la zakunate. Parce que ça en selé, ça qui colle, ça maluku, ça njili, masina, ça limité, ngaba, lemba. Voilà ça la juridiction matete. Mais ce que doit la juridiction à lemba. Ya Gombe. Tout ça na ngiringiri, tout ça na kasavubu nini ba minyo esa ko toti Gombe. Mais pourquoi pas magistrat ya Gombe bengai? Ce qui bolinga ki fa kende kuna. Donc en fait ka la procédure esa na ngoma la mte même si il fallait ne akende kuna et pas magistrat na mais esa yete il faut dans magistrat ya Gombe. C'est ça aussi la procédure. Voilà, nous voulons quitter déjà les droits pour aller en politique. Mais avant ça, maître, c'est comme s'il y a quelque chose où ils ont matabiso, on dirait yo bosani. Yo moko uti koloba, je salue le professeur Luzo Lobambi. Au lobby, que tous en a des parquets généraux à Wana Kinshasa. Et bon, on bateau bazarana tchamu. Ben, on bazaji na juridiction nini. Parce que les parquets généraux, est-ce qu'il faut qu'abo kene na juridiction locale à Yabakou? Mais na parquet, na yabisio que non, tchamu c'est ça district, non? Tiens, vous avez district. Basan a parquet général, il y a un parquet général,
il y a ma tété. Il y a un parquet général à ma tété. Ah, la zone belle, il y a un parquet général. La zone va parquer à ma tété, ton parquet, il y a Kinko l'été. Ou est-ce que ça va parquer près à court? Mais la zone belle, il y a un parquet général, les amis balais. Moko ya gombe na moko ya matete. Changu mwamba baza na matete. Funa lukunga bazali na oya gombe. C'est ça aussi la procédure. Mais vitre kamin afanda kana gombe, akokende na matete ndenge nini. Mutuna lesusu yango na dotuni. Et puis il était confiné. Confiné par rapport. Kasi yo bien vana na gombe, donc aza sibi pe confiné. Non! Mais dans le confinement, on n'a pas refusé que les gens gombe soient confinés. Il y a un service. Il est là, il travaille. Il a d'ailleurs, nous sommes là, Gombe, à Kindegepe. Mon galère, mais ça peut Gombe. Parce que à Kindegepe, on a un bureau, on a à Kindegepe travaille. Il est là, il est au service de l'État. À un moment, soit au service, il peut bénir, à quoi travailler comme ça. Mais il est là, il est à la Gombe. C'est son adresse, il habite Gombe. Non, par la caractéristique de la loi qui impose à tout le monde, qui s'impose à tout le monde, Vital Kamerhe avant d'aller à Gombe. Les autres mouniers à se présenter t pour n'avoir à procéder. Est-ce qu'ils étaient pour ça confinés? Parce que bateau union sur bana gombe, baza confiné. Balobi mutunion sur bana gombe, kobi manaye, ils a passé parce que kuna corona ils allent na taux élevé, taux de mortalité, taux abattés zébélé. Est-ce que c'est pas une raison? Oyo yo bino boboye libo limbo bimisaka bérer de procéder alors que azana sous confinement. To koye bisao boy. Mani confinement, il y a un principe, c'est confiné. Mais le principe n'est qu'un principe lorsque ça souffre d'une exception. Donc, lui, c'est une donc non, c'est-à-dire quoi? Si les gens ne vont pas sortir, c'est un principe, mais il y a des gens qui vont sortir. C'est une exception. Parce que on a dit, pour accéder, il faut avoir les macaros. Même pour sortir, il faut avoir les macaros. Comme il est directeur de cabinet, il y a un service minimum qui se passe à la présidence, il doit avoir les macaros. Donc, il va sortir. Ok, nous allons revenir sur ce point. On doit avancer, en tout cas, comprenez qu'il est avocat, il maîtrise la procédure. On doit aller comme ça, mais déjà, on nous signale que Toza déjà Toza pousse en émission. Lelo yo bouté ko lobelo mona e bandele émission que Azali partisan ya corps ya cash. Mais na yoka ki bino ba cadre té na CCC na ba tumi susu ke c'est un sale coup. Bani ba sala bino G parce que vous vous plaignez trop. Est-ce que vous suspectez qu'il y a une main noire politique sur cette affaire ou c'est vrai beaucoup de capé Vital Kamerhe a qu'elle ne corresponde avant tout qu'on en mamus. Tu vois qu'elle ne corresponde na nini parce qu'on suppose que non elle va correspondre exactement. Il a détourné, il est présumé détourneur de large de fonds de 100 jours, le programme d'urgence de 100 jours. Wana tolobi bien DG ya Rawbank. Mais selon nos informations que nous avons jusque là, il y a déposé qui plainte toi. Na ba preuve. Na koye bisaye boy. C'est là où encore nous disons que non, ici dans ce dossier, il n'y a plus le droit, il y a la politique. L'instruction préjudicielle elle est secrète. Mais vous avez eu ces éléments comment? Donc ce n'est plus du droit, c'est de la sociologie ou de la politique. Donc comme c'est de la politique, l'INC s'est déjà préparé sur tout le procédure. Donc, sur le plan politique, nous sommes bien armés et bombés par rapport à ça. Et sur le plan des droits, nous sommes encore prêts. C'est la raison pour laquelle, sur le plan politique, nous avons, et sur le plan des droits, nous avons soulevé des irrégularités que personne ne peut nous contredire. Et en plus, nous avons des parquets généraux ici. VK doit répondre à la parquet de Gombe. Si vous voulez qu'il réponde là-bas et non à ma tété, c'est ça aussi le droit. Alors, c'est le plan politique. Quand vous dites que voilà, il est présumé, il est né. VK n'est pas le coordonnateur de 100 jours. Ça, c'est une information. Au moins, il avait une signature. Non, je vous dis, mais vous voulez vous contredire comment? Parce qu'il n'a pas géré ça. Il vous l'a dit. Mais vous vous dites que non, voilà. Vous voulez comprendre tout ce que vous voulez là, ici, sur le plan public, sur la place publique. Nous sommes dans un terrain glissant et vous devez aussi avoir des réserves. Alors, l'INC s'est déjà préparé sur le plan politique et sur le plan des droits. Nous sommes prêts. Comme vous dites qu'il est cité, il est semble. Mais le DG est où? Il est dehors, non? Le DG de Rawbank est dehors. Mais c'est lui qui a accepté qu'il avait pris l'argent ou il avait détourné l'argent. Mais quelqu'un qui a détourné l'argent,
et vous le arrêtez, vous le relâchez parce qu'il a donné une caution. C'est ça le droit ou c'est de la politique? Donc, comme vous êtes déjà en possession de tous les éléments, nous aussi nous disons que non, ce n'est plus le droit, c'est de la politique. Comme si le problème politique, nous avons compris que non, c'est un acharnement contre notre président national et nous sommes là pour répondre à tous les coups et à toutes les attaques. Nous sommes prêts pour répondre à tout parce que l'INC est au pouvoir. Nous soutenons CASH, nous soutenons FCC, nous soutenons cet accord et nous soutenons aussi l'accord du CASH qui a fait qu'aujourd'hui ce pouvoir puisse être là où nous sommes parce que nous sommes les géniteurs de ce pouvoir. Nous sommes à l'aise et nous disons encore dans notre communiqué, nous disons que où nous avons dit que le président Vital est candidat président de la République conformément à notre accord de Nairobi qui a fait que le pouvoir soit en place. C'est ça aussi la clarité, c'est là où il y a les problèmes. Il y a un autre là, VK, Bazobanga, Vital Kamerhe, Asobangisa. Les gens veulent se cacher derrière un petit dossier. Voilà, il faut empêcher qu'il ne puisse pas être candidat. Il va sortir tête haute. C'est un bon gestionnaire. Et nous avons beaucoup d'éléments, mais au moment opportun, nous allons les mettre sur le plan public, sur la place publique. Parce que les gens ont besoin de réponses et de précisions. Nous ne sommes pas de ceux-là qui ballottent ou qui font du théâtre lorsqu'ils sont devant la caméra. Nous allons dire la vérité, rien que la vérité. Et le moment venu, nous allons parler la vérité. Et nous, à chaque question, nous allons donner une réponse précise pour faire voir que non, l'INC, ce n'est pas le fils d'un parti politique ou l'INC, ce n'est pas un cousin d'un parti. Mais nous sommes un parti politique et autonome, bien structuré. Tout est déjà préparé à affronter tout ce que Ekokomi l'a dit. Bon, il y a des pèses apparemment. C'est comme si, on va dire, il y a un malaise entre INC et IDPS parce que tu es bien en réalité, il faut faire postuler en 2023. Alors que VK Azali, partenaire, tant qu'il n'y a pas postuler en 2023. Moi, la guerre est cause à la guerre froide. Éclatement, il y a IRSS, il faut exploiter, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un dossier. Au lobby, il y a un Azobanga, il dépasse Nani. Tout ça, c'est clair, non? Ce qui dépasse Nani, il y a un dossier à pouvoir, c'est grâce à quoi à CASH? Mais à quoi à CASH, il y a 5 ans, 5 ans. Et ça, voté. Ce qui te rappelle, on est au bang, tout ça, bang, tout ça, prêt. Et puis, tout ça, bang, à mon doute. Parce que, n'a qu'à te accorder, on a, tant que tout ça, là, qui est en haut. Tout ça là conséquent dans ma camionnette. Tout ce qu'on va pouvoir, bien si. Mais pouvoir, on va pendant 5 ans, tout ça, l'évaluation. Après, partez, monsieur, et partez en mon INC. Il dépêche à quoi accompagner Bino à 2000. Mais monsieur doit accompagner qui bango. Monsieur doit accompagner qui bango. Conformément, paye à quoi. Bah ça, c'est censé accompagner, mais c'est ça qu'il y a dit dans l'accord. Kabunda, bah, il va avoir du pouvoir, bah, au y a un petit sur vous. Je ne fais pas. Amener le débat ici sur les gens, mais c'est un débat trop technique et puis... Non, c'est un président d'un parti politique qui est... Non, il est président intérimaire. Bon, j'ai eu la chance de lire les statuts de l'IDPS et ce que nous voyons est les statuts, ça ne s'accorde pas. Un parti politique, c'est une organisation de gens qui ont accepté de se mettre d'accord sur certains principes. Mais ce qu'il y a là, ce n'est pas ce que le statut a dit. Alors, je ne peux pas croire. C'est lui qui engage l'IDPS aujourd'hui. Il l'engage en quelle qualité? En qualité de président. Moi, je vous l'ai dit, étant journaliste, il est président AI. Mais dans son discours où il a engagé les partis dans leur anniversaire, il a bien précisé que l'IDPS est au pouvoir. Il restera jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Donc, INC, oubliez l'accession au pouvoir. Je vous dis ceci. L'avènement d'un parti politique ou l'objectif d'un parti politique... c'est accéder au pouvoir et l'exercer et le conserver le plus longtemps possible. Mais sans oublier les principes démocratiques dont la Constitution qui délimite les mandats de chaque élu à 5 ans pour évaluer encore d'autres 5 ans. Alors, ce n'est pas un problème. Mais nous avons un accord qui nous donne le pouvoir.
Dans cet accord, est-ce qu'il y a des réunions de cash? Est-ce que cash, bon, mon entrée cash, c'est une coquille vide. Okay. Est-ce qu'on organise un réunion? Yoka, voilà. C'est là où j'y attendais. Voyez dans les cash. Il y a que les dans les cash, il y a un document qui est signé que par des personnes. Vitel Kamerhe comme président de l'Union pour la Nation Congolaise, INC, en cycle, et Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de l'IDPS. Alors, dans cet accord, il est écrit 5 à 5 ans. Après ça, il n'y a pas d'autres histoires. Il n'y a pas Kabundi. Parce que lorsque le cash est né, Kabundi était encore ici en train de chercher comment s'inscrire à l'université. Oh. Alors, c'est ce que nous disons. Oui, il est en train de chercher parce que je ne sais pas s'il était en chien ou bien il était en train de chercher comment s'inscrire à l'université. Et c'est la raison pour laquelle à l'INC, le président Vital a réuni la direction politique. Nous avons donné un document pour la structuration du cash. Nous avons déposé un exemplaire à l'IDPS pour voir comment le cash doit s'organiser. Mais chose étonnante, Kabuya passant sur le top Congo, il n'y aura plus en place pour dire qu'il n'y connaît pas, il attend ça tel qu'il attend. Mais nous avons la question de réception de la secrétariat de l'IDPS. C'est comment ça? On comprend que non, c'est de la mauvaise volonté et ils ne veulent pas que les choses s'organisent parce qu'eux-mêmes, ils sont les génitaires du désordre. Mais à l'INC, il n'y a pas de désordre. Lorsqu'il fallait discuter sur la coalition FCC, c'est Kabound qui a représenté les CACH. Nous avons des images. C'est lui qui avait représenté comme président du CACH. D'ailleurs, j'ai fait des émissions avec les cadres de l'INC qui s'étonnaient comment Kabound était déjà président du CACH sans qu'il y ait une réunion ni une nomination. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train toujours de soulever des irrégularités. Kabundi, c'est top. Au sein du cash. Vous avez cité une personne, non? Nous avons dit que nous sommes clairs et conséquents par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Okay. Kabundi s'est sorti, il a fait des sorties médiatiques pour dire qu'il a été nommé formateur. Formateur, voilà. Vous avez déjà vu ces documents ou cette ordonnance? Si aujourd'hui encore le pays est en train de subir de telles histoires, Kabundi est auteur de ça. Comment ça? Parce que dans notre situation où nous étions, le président Vital était capable de créer une nouvelle majorité parlementaire. Il avait dit, donnez-moi le temps, je sais ce que nous allons faire. Kabundi a fait une sortie médiatique. Moi, j'étais déjà nommé formateur. Nous sommes là. Il a fait un grand travail. Pendant deux heures, il a décidé la majorité. Ah, nous disons, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il est sorti pour dire. Et puis, dans des négociations, à Keikuna, à Kekomata, Cheval. Dans la loge. Ah, les techniciens étaient là. Les maillots, les autres, ils étaient là en train de discuter. Yakakuna, les Golampunda. Donc, on a compris que dans des choses saillantes, les choses qui pèsent, où il y a la technicité, d'autres personnes sont censées être dehors. Donc, nous sommes sereins et puis nous sommes là et nous sommes en train de nous assumer parce que les combats que nous avons accepté d'y entrer et nous avons aussi accepté d'acheminer cela jusqu'au bout en soutenant Vital Kamerhe contre tous les acharnements, la jalousie, la haine, tout. Aujourd'hui, depuis le programme des 100 jours, les 100 jours, ce n'est pas seulement le sort des moutons. Il y a plusieurs choses. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? À tout moment, quand on parle des 100 jours, on va Vital. C'est un programme de Vital? Ce n'est pas son programme. Apparemment, il y a un autre. Mais il agit au nom pour le compte de ces derniers. Mais lorsqu'il y a flou, il doit aussi être là comme renseignant. Quel est flou? Mais est-ce qu'il a refusé d'être renseignant? On a appelé qui? Dans quelle date? C'est ça aussi. Est-ce qu'il a fallu qu'il réponde là-bas? Aujourd'hui, parce que vous avez soulevé encore un élément de droit, vous dites qu'il doit répondre comme un renseignant. Or, il a rang de vice-ministre ou de ministre. En tout cas, là, je ne suis pas convaincu parce qu'il est dans les services protocolaires et dans ses services, il est citoyen normal et il n'est pas bénéficiaire. Moi, jusque-là, je ne suis pas convaincu que Vital Kamerhe, comme il a rang d'un vice-premier ministre, il ne peut pas répondre comme ça. Il faut qu'il y ait une procédure. Pourquoi il les promène avec... Parce que c'est un service protocolaire. Pourquoi il promène avec les officiers de présidence de la République? Pourquoi il représente le président de la République dans d'autres histoires? C'est dans quelle qualité? Parce que s'il a rendu, c'est protocolaire. Protocole privé. Hein?
Parce que sur le plan protocolaire et étatique, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit représenter. Je dis ceci, ce n'est pas seulement ça. Le président de la République, c'est lui qui détermine, c'est une institution. Il détermine quelqu'un pour le représenter dans telle affaire. Le président, le directeur de cabinet, et agit au nom pour les comptes du président de la République. De la coalition cash. Quelle coalition cash? Non. Le président de la République n'engage plus les cash. Il va engager les cash. Il est l'autorité morale. Il est l'autorité morale. Donc, vous parlez VK, mais même s'il faut répondre là-bas. Est-ce que VK devait répondre là-bas? C'est je vous ai soulevé des éléments ici. Est-ce qu'il devait aller à Matete? Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission, Maître Basile. Mais moi, question d'actualité, moi des questions d'actualité dans mon coussé. Lelo confinement total et bani na Gombe. Déjà, Makamboza, Makas, na niveau hôtel de ville, il a fallu, ba côté Kababadj, Babadj, Joana, pour Batba. Ils ont coupé ça, non, qu'on octroyait Babadj pour que Batba en cité, ba côté Gombe, Batta Misala, ça et là. Mais comment. Bato et bazo qui ma confinement pour na Kinshasa bazo ouais la cocotte à Gombe et puis hôtel de ville à monnaie baba Joana les lobes te belé bazo les là moyen bas accéder na ville et bas fonctionnaire à l'état moyen bas côté zaté qu'est-ce qui se passe au juste à la gestion de la chose publique ah wande toujours bisana bato bon sauvage bas que non confinement et ça qu'a pour na ville à Kinshasa et ça qu'a pour na Gombe te na bamboka ba payape ba sepeli pona ba confiné ba tout maladi oyo ezali ko zwa biso ou maladi oyo zo zwa batu ezali biso ne tango to sako tambola ne to so tambola na yango parce que maladi wana ezala makoloti yango décision ya ko confiné ba ville to ba commune ezo zwa ma mais bisika wa biso tozali d'accord te par rapport ya accessibilité na place songolo to pakala. Naebi bien que nos services sont ezali organisés. Tant que le gouvernement ou le gouverneur de la ville de Kinshasa a eu une décision, il faut la conséquence. Ayebi que le ministère, ya, par exemple, les affaires foncières, ils ont les services minimum de la Makuna, ils ont na Gombe, et ils ont 5 personnes. Autant de 5 bâtiments. Parce que le gouverneur a un service. Et puis décision elle est là pour te mais baba tu en sais on sait pas ce que non bah il y a déjà qui confine mais il fait ça baba tu fais ça bah il dit non na ministère de justice bah tu tel autant à autant tu retiens par exemple 10 badges exemple autant d'un coup non et que comment tu obéis si tu m'as pas pour naïe gosso yango mais aussi baba au sali au tika ne pas naïe bah tu n'as pas ya gosso n'est ça la magabon côté et puis bah tu mais il est aussi au terre ya propagation ya maladie oh parce que l'homme n'est pas la monnaie bah tu n'as pas monté à la qui n'ango il faut kabola yango parce que bah c'est un mètre ça qui respecte te bango moko bah c'est besoin de respecter un mètre mais sur ça la maté donc et sali ma bemingi na moment oh oh et ça moment moko ya passé tant tout ça na état d'urgence. C'est que l'institution a fonctionné mal à monté. Et ça allait bien te, on a monnayé le rôle à badge. Et ça pour dire il y a deux semaines. Ce que ça, on a eu aux années. On a eu deux semaines après. Ce qui a fait deux semaines, ça a eu au changé pété. Alors, et ça m'a bête, on a condamné par acte. Et ça m'a la monté. Et ça m'a badge. On a pris ça en gros, gratuitement par rapport à l'institution. Oh, et ça là. Service minimum, naoka ki moko tanga ki bato bazala ki obligé ba journaliste bato mwe bela tanga ki mais comme si soba somba ngo pour ani ça malam te bati ka biloko wana moko nsambo ka sika asala posa ya makambo wana te et puis biso pe tango to yaki na pouvoir to na posa te ya kwa ko faire souffrir bato tango zo ba décision il faut ala conséca et puis pe sa biloko wana ko produire 1000 2000 bati 5000 bati pour l'hôtel de ville ça coûte rien asana mbongo a fonctionnement ya institution na ye. Et ça, malamouté, tout ça qu'on condamne en gros à réparer le Coran. Donc, voilà notre position. Une dernière question avant de citer, Maître Basile. Le lot confinement à la RDC bat les records. Il y a taux de mortalité en Afrique, déjà, avec 9,5%. Et bazo koufa moins belé. Par rapport à l'Afrique du Sud, on a plus de 1500 cas, mais bazan a des décès. Mais bisoir déjà, tout ça qu'on est 14, 12 décès. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les services. Il y a attaque, il y a riposte contre Corona. Ils sont compétents. Thomas, nous sommes ça là. Mais est-ce que c'est un problème d'aspirateur? Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce qu'aujourd'hui, au Congo, guéri, il y a très moukier, mais il y a tout le coup, il y a ébélé. Il y a un acteur politique. Tu peux espérer Nini? Si cette question,
Yango monaka communication à liboso ya ministre de la santé et betaki libanda mokonza mboka asepela ki azwa un technicien au docteur Muyembe à tout moment quand il communique il est trop technique ayesa ki biso alobi et ça l'est na 56 to 60 quelques cas calamité bazali déjà bakoko bima déjà na hôpital parce que ouais basola ndela soin na bango bimala basi bakombi déjà na position moko ya malamu trois cas guéri au lieu de trois belé mais attends mon témoin sera confié ça comme malam te yango tout ça qu'on sait nga été bah congolais bah mi batte là malade des ali batte qu'a coché tembe quoi le gars que non moko ali bota na bino à quoi la malade voilà ndé yo ça la témoin le bah qui non malade des ali malade des ali ministre na landa qui est à lobby bah toi voilà la poste maman la malade bah qui n'engalé ma bah qui n'a cliqué une qui noise tôt na cinquantaine au lobby na yo le cap avion tel est ce que corona va aller voir la Kisayo. Donc au moins la Kino alors tu vas prendre une chance. Le président était clair sur cette question. Soit que mon maladie par maladie à corona gouvernement soit en charge. Donc tu vas prendre une prise en charge. Il y a des familles qui se plaignent. Quelle famille? Neti famille à Kasia Bandoubola, Ndeko Raquel, bah soit qui prise en charge. Non, il était où? Il était là au moment de subvention là. Et le problème c'est nini yango basengi biso que soki oyoki moko suko su oyoki mo malaise mo nini bien avant il faut louka médecin ko lokata fana na lo bagena bonga la bela kango na bela ko suko su ti après ça mo migole bele ko mi grave ndo ya ko bagena soko oyoki que nzo de sa malamu te o consulter médecin mais bato nga na yebi ke bazali atena maladie wana baza prise en charge et pas ya gouvernement ndazo landela bango moko nzamboka azala clair budget au italien macamouana et si ces plans là tous allés clairs et que macamouana c'est ce qui ne malam au lieu d'aspirateur aspirateur est allé n'importe quand abisso tout dosana yango quand on t'a commandé quand on t'a copié ça abisso ce que 50 et où t'as qui mais abisso à tous allés déjà 60 gouvernement convoqué qui déjà mususu et au isali goya danzela donc côté on dosana problème t ministre ça abisso abisso lobby basa quoi aménager déjà bas hôpitaux clinique clinique universitaire qui colle bas abisso que belé pour que non ba malade soki komi belé akenda ki tukutu musika lobi soki malade délégué belé ba ko cha batupe na stade de martyr ndenge ba ndeko biso na jera ba chemin pour ça la biso zali que non malade wana et ou melate na mboka na biso et si là le sambo ya ba congolais isande bongo tout la pour ça te ba congolais ba babela malade wana soko zali loko ko sala te ofane na ndako parce que malade wana zo tambola te biso ba tozo tambusa yango. OK. Un dernier mot par rapport à ce numéro d'émission, Tokomi Nasuka, et surtout ce qui pèse facile pour nous couper sa contact. Dernier mot pour l'émission, Lelo, et ça a été, Batignon se base à l'aise, il y a une à l'aise, et toujours soutenir le président Nabisso, il y a Union pour la Nation Congolaise, Vital Kamerhe. Tu es bien na position, il y a Malam Ming, tout ce qui est bien na position, il y a ma bête. Alors, Mtunyo soyo azali kolinga kozo atana ye kolobela koloba mabe ya veka e ki asana ba prefite moma veni bisope tokozong samandu ki kote wana olobi ki veka saboyo tofundi yo toke mo pe na justice soko la kisi biso biloko wana te bakangi yo et puis ode no manger par rapport à imputation na yo zo bebis parce que to comprendre que nous ali acharnement boluka boloba mabe boloba mabe mais mabe ango se ya lokuta po boloba que non na 2023 osa candidate a cause la candidat na ko et puis a osa la candidat ya cash et puis candidat ya INC. Voilà, c'était Maître Basile Mpoyo, communicateur et cadre de l'UNC. Donc, je remercie un grand merci à Starly Lema, à la technique. Merci, merci vraiment à tout le monde qui m'a tenu compagnie. Merci à Odette Lessa, à la Mégane, Franck Stemaï, les patrons de Africa Info. Merci à Emilia Masonama. Donc, vous tous, vous étiez nombreux de suivre cette émission. Vous et moi, nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Politique Info. Rachel Chaco qui m'a assisté, merci à toi. Donc d'ici là, cher monsieur, portez-vous bien. À tout à l'heure parce qu'il y a un deuxième numéro. À très bientôt, nous allons nous retrouver. Bye chez vous. Bana Dine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.